Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 8ème épisode de mon Let's Play sur la saison 2 de Mountain Blade Warband. Alors, je voulais vous reprendre autour d'une bonne bière, sauf que, y a pas de bière. Il y a des trucs tout pourris, mais il y a pas de bière. Ce qui est fort dommage, et en plus de ça, il y a personne avec qui rigoler. Donc du coup, on va s'en aller, on est à Veluca là. On va s'en aller, on va aller du côté de Jelka là. Et je croise les doigts pour qu'il y ait un tournoi. Restez poli. Il me faut vraiment que j'améliore cette renommée. Parce que pour l'instant, ça craint un peu. S'il faut, je ferai des grosses coupures, j'améliorerai ma renommée en fond. Je pense que c'est le dernier épisode où j'essaie d'améliorer ma renommée devant vous. Après, sinon, je vais faire ça en fond. Par contre, l'inventaire. J'ai encore un peu de nourriture. J'ai plus grand chose. La nourriture, ça part tellement vite. C'est trop horrible. Alors, où est le roi Gravette? Et ensuite, il faudrait que j'achète de la nourriture. Il est près du côté du château Deep Deus. Ok. Alors, marchand de biens, il faut que j'achète de la nourriture. Viande séchée. On va d'ailleurs vendre ce truc. Voilà. Alors là, faut que je trouve le roi. Bah tiens. Ces grosses lèches, je crois que je sais à qui ça appartient. Il est là. 206. Voilà, il y a un gros rassemblement. Non, on n'a pas besoin de mon aide. Oh là. Bon, on va faire une émission de Jelka là, dans ce cas-là. Et s'il faut, on ira taper sur les déserteurs. Et ça, ça m'embête. Alors, on va se promener dans la rue. Je vais tuer des gens. Ça serait bien qu'il y ait du friendly fire un peu, qu'on arrive dans une ville et qu'on puisse faire tchac sur des gens. Escorter une caravane à Sulu en 15 jours. Ouais, on va escorter la caravane. Alors, elle est où? Allez. Direction Suno. Suno, c'est là-bas. Alors, peut-être que je vais vous couper la séquence, du coup, parce que c'est assez long. Voilà, on va faire ça. On va couper la séquence, parce que ça, c'est pas très intéressant. Et je vous retrouve... dès que je suis arrivé à Suno. Allez, à tout de suite. Ça y est, on arrive à Suno. Bon, ça n'a pas été très long, mais c'était chiant, il n'y avait rien. C'est bon. Renommée augmentée de 2. Bon, on va faire d'autres quêtes alors. Vu que ça a l'air d'augmenter la renommée. Alors, on va regarder dans Suno s'ils n'ont pas des quêtes. Je crois que le maître du guide, il est là-haut. Ah ouais, c'est vrai qu'ici... Les escaliers, tu peux que les prendre à pied, mais genre lentement. Les provenances des voyageurs en provenance de Lindar ont été attaqués par des déserteurs. Alors les déserteurs, ça va être chaud. Euh,
Les déserteurs, c'est jamais très sympa. Du côté de Praven. Je pense qu'on va aller regarder du côté de Praven, voir s'ils n'ont pas des cartes. Des cartes, des quêtes. On va voir ça. Parce que ça a l'air de faire augmenter la renommée. Alors là, moi, j'ai pas le droit à aller avec un canasson. Hein. Où est le maître de guilde? Là, il y a la milice. Où est le maître de guilde? Bon, c'est pas comme si je me traînais là et que j'aurais besoin d'un cheval. Mais presque. Je crois qu'il est là-haut. On a la prison. Ouais, ça c'est joli. Oh la vache, vivement le Mountain Blade 2 parce que là... ça se traîne. Ah bah tiens, le bétail à amener au marché de Suno, c'est pas... pas difficile ça. Là. Reviens là. Non, tourne. Voilà. Alors le bétail, voilà, c'est ça le truc. C'est qu'il faut le pousser. C'est assez bizarre, mais il faut arriver à le pousser. Parce que 85 têtes de bétail, c'est un peu n'importe quoi. On dirait que mes vaches, elles sont bourrées. Il y a un rançonneur. Du coup, je vais le donner à qui, en fait? Attendez, on va regarder les notes. Parler au maître de guilde de Suno. Alors regardez, si c'est le maître de guilde de Suno, ça va peut-être retourner à Praven. Ça, je trouve ça fort, le cheval qui peut pas monter les escaliers, c'est quand même un concept assez pas, plutôt pas mal. Ok, d'accord, donc il faut que je retourne à Praven. Mon inventaire, il dit quoi? Oups, pas là qu'il faut. Mon inventaire, il dit que porc de l'avant-veille est en train d'être mangé. Ça va, il y a du pain. Non, et oh, pas bon endroit. Non, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Alors, c'était pas ce rang de château. Bon, alors. Faut que j'avance. Il fait encore une heure, mais il y a des gens dans la rue. J'adore comment il donne des coups de poing. Voilà, ça y est. Renommée augmentée. Un groupe de bandits a enlevé la fille, tient en rançon. 310 deniers, village Jéragar. Ok. C'est où Jéragar? C'est là. Ah, c'est pas très loin. Je vais bien le faire. Augmenter la renommée.
On a une renommée de combien pour l'instant? Non, c'est pas dans notre, c'est dans le rapport. 44. Ça va. 44, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des déserteurs dans le coin? J'aimerais bien. Des fermiers. Alors après, si des 351 en moins. Il faut vraiment impérativement que j'ai un fief. Là, je commence à avoir vraiment trop de gens à m'occuper pour... Alors, après, si on s'occupe des bandits... Si on essayait de s'occuper d'eux. D'accord, non, là c'était pas ça que je voulais faire. 51 contre 25, je pense qu'il y a moyen qu'on... Après, ouais, non, mais si c'est... Aïe. Ah. Ah, j'en occupe un petit paquet, là. Non, mais je les occupe pas du tout, en fait. Voilà. Allez, viens là. Voilà, je t'ai eu. Eh oh! Non, eh! Ah! Je sais pas combien on en a eu. Aucune perte. Capturer des bandits, on va pouvoir upgrade du monde. Oh la vache. On a nos premiers lanciers vétérans. Oh, ça c'est cool. Un chevalier, un cheval. Alors, ça c'est bien. 18, 18, 18, 16, 16, 16. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça peut se revendre assez bien. En plus, voilà, là il y a du monde. Et oh non, fille kidnappée, il faut que je la prenne avec moi. Ah oui, non mais c'est sûr que si j'ai pas assez de place. Non. En groupe. Ouais, hop. Allez. Direction Praven. Ben ça par contre c'était bien géré. Ça c'était bien géré. On a. Des mecs qui ont upgradé. D'ailleurs, ça commence à devenir très très cher pour moi. À 419 deniers, c'est exactement ce que je voulais pas avoir tout de suite. Intel. Sens du commandement. Ça, c'est pas mal. Connaissance du terrain, ça permet d'aller plus vite. C'est pas mal non plus. Voilà, là on va un peu plus vite. C'est cool. Ça va augmenter notre renommée. Et on devrait même pouvoir essayer de demander au roi de nous filer un fief. Ça peut être pas mal. Et il faut qu'il le fasse vite parce que j'ai vraiment plus de sous. Enfin, j'ai vraiment plus de sous. Je vais vite plus avoir de sous. Ça continue.
La viande séchée, ça va. Alors, se promener dans les rues. Il faut que j'aille voir le mec pour lui dire que j'ai réussi la quête. Après, je regarderai ma renommée. Ah, c'est vraiment pas la porte à côté. Ils auraient pu faire une option quand même, parler directement au maître de guilde. Parce que là, c'est un peu idiot. Voilà. Renommée augmentée de 3. Caravane à Admerad. Ok, c'est pas mal. Alors, ici, il faut que je vende des trucs. Voilà. Alors, Admiral, c'est où? C'est où Admiral? Ah oui, c'est pas à côté du tout. 49 en renommée, il faudrait peut-être que je le fasse quand même. Bon, ouais, je vais essayer d'aller à Admirad et puis je vous retrouve une fois que j'ai fini de... Bah d'y aller, hein, ça va être long, hein, ça va être long parce que c'est pas la porte à côté. Allez, à tout de suite. Ça y est, j'y arrive. Il y a vraiment beaucoup de monde d'ailleurs, c'est bizarre, mais en tout cas j'y arrive. Ils sont tous là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assiégés, ils partent en guerre. Voilà. Je vais essayer de retrouver le roi, donc il faut que j'aille avec Lucas. Ou en tout cas j'ai Lucas là. Donc c'est comme c'est pas la porte à côté, ben. Pareil, je vous recoupe la séquence et je vous retrouve dès que j'ai retrouvé le roi. Allez, à tout de suite. Ça y est, j'ai retrouvé le roi et... Ok, d'accord. Donc, près de Gunmar, ok. Oh, pff, ça va fonctionner. Bon. Est-ce que t'as une autre... Il y a une quête, il faut que j'aille au château de Jamiche. C'est où Jamiche? C'est là. Bon, sachant que je suis là, pas très loin, je peux y aller. Ça, c'est pas trop un problème. Bon, il faut encore que j'augmente ma renommée. Pourtant, je suis à 51. Donc, faut clairement que on en refasse encore. Je pense qu'on fait encore un épisode, le prochain, où je fais des quêtes pour augmenter la renommée. Et si ça suffit pas le prochain épisode, ben... Eh ben, je ferai ça en hors capture. Bien sûr. Ça vous évitera d'avoir 100 fois la même chose. Parce que là, c'est passage long et chiant. Alors, on va déjà arriver au château de Jamiche. Des déserteurs. C'est là qu'ils vont trop vite. Alors. Contre-inusque. C'est toi que je dois parler? Auquel je dois. Voilà. Bon, allez. Du coup, direction Jelkala. On va voir si il donne une quête. Et ensuite, on fera ça pour le prochain épisode. Il me reste beaucoup de nourriture. Il me reste quasiment rien. Il me reste quasiment rien. Il me reste pas non plus de beaucoup non plus d'or. Enfin, il me reste 5000. Mais le problème, c'est que j'ai un coût hebdomadaire de énorme. Juste énorme. D'ailleurs, faut que je parle à messieurs, dames. Monter l'intelligence. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, ça fait 20 minutes. Je vais peut-être mettre des trucs genre...
Ok. Non, ça c'est pas cool. Repérage, c'est pas mal. Et organisation d'inventaire, c'est pas mal aussi. Toc. Et ça, c'est bien aussi. Hop. Augmenter le charisme. Je sais pas si ça me permet d'avoir un plus grand espace dans l'inventaire de... Si les autres ont une meilleure compétence. Je sais pas. On va voir. Donc là, direction Gelkala. Dépêche-toi. J'ai l'impression qu'on se traîne en permanence, c'est assez horrible. Ou alors qu'on circule exclusivement que de nuit. J'ai l'impression qu'il y a plus de nuit que de jour. Et pourtant, on est en mer. Aïe, moins 418. Ça fait bobo. Je sais pas comment ils font pour ce genre de compte pour rester en vie, parce qu'avec juste 29 gugus... Le roi Gravette. On va juste demander au roi Gravette ce qu'il fait. Peut-être que... Ah, hé, j'ai plus rien à manger. Ah, yes! Les impôts. Ah, tiens. Je disais que j'avais pas assez de... De nourriture. Et d'argent. Et ben, on va faire ça tout d'un coup, juste avant que... Je finis cet épisode. Là, j'ai plus de nourriture. Tchac, tchac. Voilà. Et on va collecter les impôts. C'est parti. Et bien sûr, ils vont pas être très contents. Hein. Sauf qu'on s'en fiche. Ah là là, la dernière fois, je crois qu'on avait eu 7600, ce qui nous avait fait un petit total de 1500 pour nous. J'aimerais avoir la même chose ici. Ça pourrait être bien. Ça pourrait même être très bien. Oula. Les gens qui ont l'intention de m'attaquer? Révolte paysanne! C'est quoi ce bordel? Révolte paysanne, je les mate à coups de bâton, moi. Voilà, tu vois? Ça y est. D'accord, il suffisait juste de mater la révolte paysanne. Il est où le roi? Bon, il n'est pas là. C'est pas grave. Bon, on va arrêter l'épisode. Il faudra juste que je retrouve le roi à le prochain épisode. Et ça sera pas mal. En plus, on a plein d'argent. Enfin, là, on a plus d'argent que normalement. Mais on va gagner genre 1500. Et ça sera déjà pas mal. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !